C'est celle du serpent à plumes. Le cycle nous est parvenu. Notre connaissance ne peut pas nous fonder sur les codices espagnols ou aztèques qui datent de la conquête du Mexique au XVIe siècle. Mais nous savons par ces textes que les Aztèques ont été les premiers explorateurs des ruines de la ville. Et ce sont eux qui l'ont appelée Teotihuacan, la cité des dieux. Thank you.
l'origine de la terre fertile. Ces attributs peuvent être simplifiés à l'extrême dans leur représentation. Ce dieu est autant vénéré que redouté. Il peut envoyer la pluie comme la sécheresse et la famine. Il peut faire tomber toutes sortes de pluies. La pluie de génératrice est bienfaisante ou la grêle qui anéantit les récoltes. Son arme redoutable est l'éclair. Ce dieu est aussi lié aux activités guerrières de la ville. Célébré à Teotihuacan, il est, avec quelques variations, une divinité majeure des civilisations du Mexique. Le régime des pluies est incertain. Les Aztèques l'ont nommé Tlaloc.